every one of us has a little Hulk inside of us. And that's why we feel very connected to the Hulk. And the way they see me, it's a connection because the fact I'm in great shape, it has a lot to do with the power. I get happy when I see something done, you know, on behalf of someone else who might be in need. And I'm happy when my house is clean. CJ Jones est comédien ici à Hollywood. Il est sourd, CJ, et pourtant il travaille. On l'a vu dans les séries télé comme Frasier, comme Lincoln Heights, également dans une série télé appelée Cold Case, affaire classée. Mais son truc à lui, CJ, c'est le stand-up. Ça fait 25 ans qu'il fait marrer son public avec un concept tout à fait unique qui s'appelle Visual Imagery. Et ça consiste en quoi? Human cartoon. Human cartoon. Exactly. So when you sign, you have to have an expression like happy or sad, or you can be angry, things like that. Or if I use the physical comedy tell story, all right, Nicholas, I want you to do why. Good. Hey, very good. Now, I will do cool cowboy. All right. Yeah. In my mind, they would have been silent film stars in a different era, and they absolutely should be working a lot more than, unfortunately, the limited opportunities that these people have. Hilary Scarl, elle-même comédienne, a suivi pendant 9 mois la tournée américaine de CJ Jones et de 3 autres artistes, tous sourds et malentendants. Le résultat est un magnifique documentaire qui décrit le quotidien de ces hommes et femmes qui se battent pour imposer leur style. Et on en apprend des choses. On s'aperçoit par exemple que ceux qui souffrent de surdité ont, comme les aveugles, un sixième sens. Deaf eyes. Deaf eyes, to me, is like a superpower. The things that they could see, their peripheral vision is almost behind their head, and their read on body language. It's, don't you think, I mean, Hollywood should hire these guys to be like coaches for actors? They should absolutely be coaches. Not just coaches, but continuity. If you think about in film, to be able to catch when something's slightly off, because their eyes are all they have, so they can see if something is crooked, if a collar, or someone's forgetting a coffee cup. Il s'appelle CJ Jones, il est acteur hollywoodien, noir, sourd et malentendant, et il a des projets plein la tête. C'est un homme exceptionnel, on le retrouvera tout à l'heure. C'est l'heure du focus, les amis. Cette semaine, il est consacré à Glenn Close. Yeah. 60 ans et elle n'a toujours peur de rien, Glenn Close. La star de Liaison Fatale est à ce jour classée dans le top 5 des méchants les plus marquants de l'histoire du cinéma. C'est grâce à elle ou à cause d'elle, tout dépend comment on le voit, que le taux de relations extra-conjugales a dégringolé aux États-Unis. Mais plus sérieusement, c'est à cause de Liaison Fatale que Glenn Close, pourtant l'une des meilleures actrices au monde, ne trouve plus de rôle au cinéma. Tant pis, l'ego est mis de côté, c'est la télé qui l'a accueillie depuis quelques années. D'abord avec la série The Shield, ensuite avec Damages, un feuilleton dans lequel elle interprète un procureur dont la spécialité, je vous le donne en mille, sont les coups bas. Judge Toomey, you'll see you now. What we're creating that was pioneered really by the Sopranos are mega movies. They're 13-hour long movies. Right. Happen to be on television, but like movies now, people will see them on their iPhones and on their computers and on their whatever the new media is. You know, I think what we're creating is going to be very much a part of it. Glenn Close, damn it. Glenn Close remporte l'Emmy 2008 de la meilleure actrice dramatique et confirme son statut de reine du petit écran. Magique, vous avez dit magique avec tout d'abord l'adaptation à l'écran du best-seller Cœur d'encre. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, Cœur d'encre n'est que le premier livre de la trilogie. Donc, attendez-vous à revoir le casting de ce conte dans lequel un père de famille, Brandon Fraser, fait sortir les personnages des romans dès qu'il lit ceci à voix haute. Sorti chez nous cette semaine, chez vous quelques jours plus tard.
Il vous faudra toutefois attendre un petit mois, pas grand chose, pour découvrir Underworld 3, nommé à juste titre le soulèvement des Lycans. Désolé, pas de Kate Beckinsale pour cause de prequel, mais elle est remplacée par Rona Mitra, très jolie du reste. Les vampires, eux, sont toujours là, les Lycans aussi. Et la bonne nouvelle, encore une, oui, c'est un Français qui met en scène Patrick Tatopoulos, qui avait déjà créé les loups-garous dans les deux premiers volets d'Underworld. Retour une dernière fois avec CJ Jones, Project in the Future. A TV channel. Put it together, company called Stein World TV, 24/7. It's like any channel on TV. The goal, we should start with the internet. We have all the actors do drama, new, comedy, wow, education, all of that spectrum. It's professional company where we can bring all the different international, France, Sweden, Canada, Spanish, bring me in there, because all that is the incredible dream. I wanted to make it happen, and it will happen next month, February 1st, launch. So check us out. See what I'm saying? C'était Hollywood Live, rendez-vous la semaine prochaine pour une autre actu in situ made in Hollywood. Voici tout de suite ce que notre Bimbo Cam a repéré pour vous. C'est le lâcher de Bimbo. Ciao.